Salut les astros! Alors avant de commencer, je voulais remercier une personne en particulier, il se reconnaîtra, il s'appelle Titouan. Alors Titouan, il m'a fait un super cadeau. Il m'a envoyé par email son tout premier astrodessin. Et cet astrodessin, c'est un astrodessin de la Lune, le cratère Gassendi et Gassendi A. Et donc, voilà, je te remercie, Titouan, et franchement, tu es doué. Hein. Je vais mettre le dessin, là, vous allez le voir. Alors, vous voyez, c'est quand même un super dessin. Titouan, il a 10 ans. Il a 10 ans et il fait des dessins. Moi, si à 10 ans, on m'avait dit que je dessinerais comme ça, ben, je serais fou. Franchement, mon tout premier astrodessin lunaire, il ressemblait absolument pas à ça. Donc, Titouan, tu es très doué. Permets-moi de te le dire et de te féliciter. Tu fais de l'astronomie avec ton papa, et j'encourage tous les papas et toutes les mamans eh bien, à faire de l'astronomie avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc Titouan, je vais à mon tour faire un astrodessin de la mer des humeurs et donc du cratère Gassendi. Et je te le dis, ce dessin, il est pour toi, il est à toi. Alors, avant de commencer le dessin, je vais vous présenter mon matériel. Alors, pour faire ce dessin, vous avez besoin de craies. Donc, ce sont des craies de pastel. Ce sont des pastels sèches, donc également appelés soft pastel. Donc, ici, vous avez une pastel sèche grise. Donc, c'est de la marque Rembrandt. Hein ? Elles sont franchement très très bien. Donc celle-ci, c'est du gris. Et vous avez le numéro de série. Je les mettrai dans la vidéo. Je mettrai à chaque fois quelle craie je vais utiliser et le numéro de la craie. Donc du gris. Un gris un peu plus soutenu. Donc là ici, j'ai pris du gris bleuâtre. Hein, voilà, gris bleuâtre. Vous avez besoin également, forcément, eh bien, d'une craie noire. Donc du noir-noir, hein. Noir pur. Vous avez besoin aussi de son homologue opposé, le blanc. Donc, craie Rembrandt, 4 craies Rembrandt. Vous avez besoin également d'un crayon. Donc, c'est un crayon Chinese White, donc blanc chinois. Hein. Vous avez également besoin eh bien, d'un grattoir. Donc, le grattoir, ça va avec les craies. Là, on va venir gratter les craies dessus. Donc, vous avez un grattoir pour le blanc. Un grattoir pour le gris et le noir. Hein, voilà. Vous faites plusieurs grattoirs. Vous avez besoin aussi d'une estompe. Donc, crayon estompe. Donc, c'est du papier avec un embout pointu de chaque côté. Ça permet d'étaler. Vous allez voir hein, la technique de l'estompe. Donc, là, j'en ai pris une assez grosse. Vous pouvez aussi en prendre des plus petites. Là, il y en a des plus petites. Mais bon, moi, je suis à l'aise avec les grosses. Hein, voilà. Vous avez besoin aussi d'une gomme. Donc, là, ici, c'est la fameuse gomme mie de pain. Hein, qui sont une sorte de pâte à modeler qui permet de gommer, de pointer, etc. Faire pas mal de choses. Vous allez voir que dans la vidéo, ben, je vais pas m'en servir. C'est toi, Titouan, qui m'a inspiré, mais j'ai pas utilisé ma gomme. Et puis, bien sûr, voilà. C'est tout ce dont vous avez besoin. C'est le kit du dessinateur sur papier noir. Ok ? Donc, si vous voulez vous faire un kit, procurez-vous ces 4 craies, ce crayon, une estompe, une gomme, un tac-crayon et un grattoir. Hein. Donc le grattoir, si vous avez pas, si vous voulez pas en acheter, vous prenez du papier à poncer. Hein. Voilà. Ça marche? Allez, c'est parti.
Je ne sens plus mes doigts. Et voilà les amis, alors ce petit dessin assez rapide finalement, une trentaine de minutes, mais voilà, en 30 minutes on peut raisonnablement sortir quelque chose d'assez joli. Donc mes amis, je vais vous laisser et puis à très bientôt pour un autre astro-dessin peut-être. Hein, voilà, allez, je vais rentrer parce que... Caille.